Julien Doré, cet été, devant une foule de 10 000 personnes dans les arènes de Nîmes, vous avez entonné avec une détermination aussi farouche que provoc provocatrice, vraiment la chanson la plus forte jamais écrite contre la tauromachie, celle de Francis Cabrel, La Corrida. Faut plus que du cran pour chanter dans des arènes qui sont culturellement les terres de la Corrida, une chanson anti-Corrida euh, Je fonctionne avec l'instant. <laughs> Je venais de vivre quasiment deux... Ça n'était pas prémédité Non, absolument pas. Enfin, ce qui était prémédité, c'est que peut-être la veille, j'avais repris ma guitare et je m'étais mis à rechercher certains accords, oui. Ce qui était très particulier, c'est que je venais de vivre la quasi-totalité de mon concert. Et que je remonte sur scène et que j'avais dit à mon backliner, si je te regarde à ce moment-là, tu me donnes la guitare. Personne ne savait vraiment ce que j'allais faire, même mes propres musiciens. Et quand et je suis monté sur scène, je le regarde, il <laughs> me donne la guitare. Et il faut savoir que dans le concert, enfin le concert tel qu'il est aujourd'hui, je ne joue pas de guitare. Donc c'était assez particulier de reprendre cet instrument-là, l'instrument instrument ouais. dont on a parlé, celui que mon grand-père m'avait confié il y a très longtemps. Et j'ai commencé simplement par dire une chose qui était au fond bien plus sensée que tous les dérivés qu'on en a fait après. J'ai dit, voilà, il y a de nombreuses années, je passais devant ces arènes-là tous les jours. Je rêvais de me dire qu'un jour, peut-être j'y jouerai et à l'époque il euh, y a un artiste qui m'a donné envie de faire euh, de faire de la musique c'est Francis Cabrel ouais. et, et j'ai même dit d'ailleurs j'aimerais bien vous dire parce que sans doute ça serait plus à la mode ou je sais pas quoi vous dire que c'est Bowie Bachung ou tout ça mais non non celui qui m'a donné envie pour la première fois dans ma vie de tenir une guitare dans mes mains et faire de la musique c'est Francis Cabrel et après avoir dit ça j'ai plaqué le premier accord de la chanson et j'ai commencé à effectivement à interpréter euh, je ne me souviens plus exactement de mon interprétation, mais interprété d'une façon, je pense, très habitée. Voilà. Cette chanson de Francis Cabral. Mais si je précise ça, c'est parce que à aucun moment je ne joue à faire le malin et à provoquer les choses, Mais ni à les en remuer. bien. Je parlais au contraire de courage, parce qu'il paraît que dès les premières phrases donc de la chanson, la corrida, il y a une tension très forte qui est dans, dans le public, avec sûr. des sifflets, des invectives. Bien Alors, comment chante-t-on devant 10 000 personnes, dont peut-être 2 000 ou 3 000 sont en colère Mais je pense que si on a peur de réveiller chez l'autre quelque chose, il faut immédiatement changer il faut de métier. C'est-à-dire que c'est quand même la base de ça. On est tellement dans une obsession aujourd'hui, et je pense que c'est d'ailleurs assez propre aux chanteurs et aux acteurs. Mais ça, c'est presque la définition de leur métier. Mais de plaire. On est obsédé par ça. Il faut surtout pas montrer la détestation, surtout pas réveiller chez l'autre un sentiment de colère. Mais c'est la définition exacte de ce pourquoi je me bats. J'ai autant d'amour à l'idée de susciter quelque chose chez l'autre sans avoir moi-même à décider s'il s'agit d'un sentiment euh, d'amour, de, de bienveillance ou une réaction beaucoup plus négative, beaucoup plus forte. C'est comme ça qu'on réveille les âmes et, et, qu et surtout qu'on les tient éveillées. Et j'ai des camarades, justement, qui, qui sont ni qui sont moi profondément, ni moi comme moi. J'ai je, je, passé huit ans de ma vie dans, dans cette ville, mais qui m'ont dit après, et d'ailleurs, quand je dis ni moi, c'est-à-dire des, des, des amis qui, qui aiment la tauromachie. Ouais. Et qui m'ont dit « Mais tu vois ce que t'as fait ?» Alors effectivement, voilà, comme ils m'ont dit, t'as eu, eu du cran, pour pas dire des couilles. Ils m'ont dit « Mais tu vois là, ce que t'as fait, t'as as réveillé une arène. » Ils m'ont dit « Au fond, ça, c'est quelque chose qui est sans doute le, le symbole de, voilà, de ces lieux-là et de ce que j'avais à y faire ce soir-là, réveiller les âmes qui étaient présentes. »